Bonjour, bienvenue sur Superflu, on va aller faire un tour chez quelques disquaires toulousains pour suivre le disquaire des 2016. Mais c'est parti, on y va. Allez. Pour Croc Vinyl, c'est pas un album, c'était un 25 cm, c'était Leslie's. C'était un 25 cm que beaucoup de personnes nous ont demandé ce matin. Je crois que les trois copies qu'on a eues, elles sont parties de suite dans les cinq premières minutes. Après, je pense qu'à Toulouse, on n'était pas beaucoup de disquaires à l'avoir eu. Et c'était, ça regroupait deux 45 tours mythiques des Slits, dont une reprise de Marvin Gaye, I Heard Through Grapevine. Et voilà, donc ça c'était vraiment le disque chez nous qui n'était pas manqué et que les gens n'ont pas manqué. Quoi. Les trois premiers n'ont pas manqué. Voilà. Le Jay Retard, réédité pour son 10e anniversaire, il est sorti en 2006, on est en 2016. C'est ça fait 10 ans, hein? Ouais. Très bien, je sais encore compter. Ouais. La dernière fois, j'arrivais pas à accorder les temps, tu sais. Et bref, cette personne est à la base de ce que j'aime le plus dans le punk garage revival. C'est grâce à lui qu'on a du Ty Segall, En veux-tu, en voilà, sur notre belle planète musicale. Et donc, ils l'ont réédité spécialement donc, pour le Discard Day. Ça colle bien donc avec les 10 ans, je peux vous le dire. Et ils ont rajouté une petite surprise à l'intérieur. Oh là là, c'est pour ça que je l'ai gardé pour moi. Il y a juste un 45 tours comprenant 4 titres présents sur cet album, mais en version démo. Donc pour le fan, la démo c'est fantastique, hein, c'est vraiment le squelette du morceau, c'est-à-dire la hein, voilà. Donc résultat, voilà, pour moi ça c'est la grosse pièce. Jay Retard nous a quittés en 2010. Suite à un gros excès d'alcool et de cocaïne, donc on va appeler ça une petite overdose. Et il a laissé derrière lui 4 albums fantastiques, dont le premier que je vous recommande. Vous pouvez peut-être plus trouver celui-ci, mais la réédition du premier 145 tours est facile encore à obtenir. Voilà. Super. Merci beaucoup. À très bientôt. Alors l'album qu'il fallait pas rater, c'était bien sûr le disque de Piero Umiliani. Pourquoi Piero Umiliani? Parce qu'on le célèbre beaucoup en ce début d'année 2016. Il fait partie des très grands compositeurs italiens qui, à mon avis, n'a pas la reconnaissance qu'il mérite aujourd'hui. On parle souvent, quand on évoque l'Italie, de Morricone, de Nino Rota, mais il faut savoir qu'en Italie, il y a eu à peu près 200 musiciens qui ont travaillé dans la musique du film, l'illustration sonore, le jazz, la bossa nova. C'est énorme. Il y a un travail de réédition qui est entrepris en Italie, mais c'est énorme tout ce qu'ils ont composé. Piero Umiliani est peut-être l'un des grands génies de la musique italienne. Donc cette loi du gangster qui était déjà ressortie dans les années 90 chez Easy Tempo, qui ressort pour le Discard Day en double album. L'original est littéralement intouchable. C'est du vrai bonheur. Donc c'était le disque pour moi en tout cas qu'il fallait avoir. Super. Alors, donc chez Vicious Circle, cette année, on a eu beaucoup de choses qui nous ont intéressés. Moi, j'ai retenu le split qu'il y a eu entre Mission of Burma et Metz de l'autre côté. Chez Sub Pop, un double 45 tours de couleurs. Metz, c'est un groupe que j'affectionne particulièrement, groupe plutôt noise. Mission of Burma, vieux groupe de noise, plutôt 90. Donc voilà, pour moi, c'était un des beaux objets de la sélection 2016. M'avait demandé de faire une petite présentation, là, j'avais aucune idée.
J'ai fouillé vite fait dans les bacs, j'ai vu que ce disque n'était toujours pas parti, c'est un drame. Il s'agit du duo là, de ces deux compères là, qui forment donc le Left Line Cruiser. C'est un duo du sud des États-Unis, je ne sais plus de quel état ils sont. Bon bref, c'est la musique Burnet au whisky, bien épaisse pour les gros amateurs de blues, néo-blues avec des influences assez punk. Donc voilà, c'est si tu aimes te laver les pieds avec du Jack Daniels, ce disque est fait pour toi. Malheureusement, je pense qu'on en avait un seul en stock et par chance, je viens de le trouver, donc je pense que c'est moi qui vais partir avec. Voilà, donc dès que j'avais rien repéré spécial, mais du coup là voilà, le Left Lane Cruiser me paraît indispensable pour passer de bonnes soirées. Voilà. Super. Et ben merci beaucoup. Ouais. À bientôt. Ouais. Ha ha ha.